We are expecting to have a testimony of the Circle of Friends of Cameroon to be delivered there by Nwajur. I'm not getting my monitor screen very clearly here, but then we'll get the name of the person who will deliver that testimony on behalf of CIRAC, the Circle of Friends of Cameroon. And like Professor Vittorio said, Foning left a legacy. He has worked with Foning for the past 15 years. I think. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers enfants, petits-enfants et parents de Madame Françoise Foning, autorité administrative, politique, militaire, religieuse et traditionnelle, mesdames et messieurs, au moment où je prends la parole pour délivrer le témoignage du cercle des amis du Cameroun, je suis encore sous le choc de la disparition brutale de celle que nous appelions affectueusement Maman Foning. Le 23 janvier 2015, à mi-journée, la terrible rumeur s'est répandue à Yaoundé, puis au Cameroun, jusqu'à l'étranger. Quelques minutes après, la nouvelle a été confirmée à l'ouverture du journal parlé de 13 heures sur la CIRAC TV radio. Victime d'un accident de la route, nous avions pensé en vain que Françoise, si robuste et combative, s'en sortirait, comme face aux d'autres épreuves qu'elle avait bravées dans sa vie. Hélas pour nous, cette fois-ci, notre sœur, notre amie, notre sage a répondu au souverain rappel à Dieu, son Créateur. Malgré la consternation et l'émoi qui nous habitent encore, nous devons à sa mémoire de rendre ici un hommage mérité à Madame Françoise Foning, grande dame s'il en fut. Qui ne connaissait pas Madame Foning? Elle entre au CIRAC en 1997, 2 ans après sa création par Madame Chantal Biya. Elle fut la première femme membre du Parlement à rejoindre le CIRAC. Sa capacité de persuasion et son charisme favorise l'entrée au CIRAC des femmes de la 7e législature qui le souhaitent. Aujourd'hui, plusieurs femmes sénateurs et députés sont membres du CIRAC. Qui n'a pas connu Maman Françoise Foning au CIRAC? Hier encore, le 17 décembre 2014, au cours de la 22e Assemblée générale du CIRAC, c'est avec le précieux concours de Madame Foning que l'organisation matérielle s'est mise en place. Pendant les travaux, elle a prodigué des conseils et adressé ses félicitations appuyées à Madame Chantal Biya et à toutes les dames pour le bilan humanitaire du CIRAC. Comme souvent, elle a entonné des chants de ralliement. Au cours du déjeuner de l'amitié, elle a chanté, elle a dansé, elle a ambiancé.
comme elle savait si bien faire. J'ai pris cet exemple parmi d'autres pour démontrer que le parcours de Mme Françoise Fauning au CERAC que je vais évoquer est purement indicatif. Car elle avait des capacités insoupçonnées et elle faisait beaucoup plus que ce qu'on attendait d'elle en général. Elle a été successivement présidente de la Commission des affaires culturelles, vice-présidente du Collège des conseillères et vice-présidente du CERAC. Toujours inventive, entreprenante et percutante, comme elle l'aura été en famille, en politique et dans les affaires, Madame Fauning a laissé sa touche au CERAC. Nous lui devons l'idée de faire des excursions, du sport et des loisirs pour renforcer l'amitié et la solidarité entre les membres. L'animation culturelle à travers chant, danse, sketch et défilé de mode est aussi une idée de Madame Fauning. Le déjeuner de l'amitié, ce grand moment de convivialité entre le CERAC et ses partenaires, c'est aussi Madame Fauning qui l'a inventé. Ceux qui l'ont vu à notre 22e Assemblée générale, un mois avant l'irréparable, on dut se demander si elle savait que ce serait sa dernière fois. Tellement elle a chanté, tellement elle a dansé et festoyé, ceux qui l'ont pensé n'ont pas bien connu Madame Fauning. Elle était comme ça, engagée, convaincue, convaincante, énergique et talentueuse. Elle avait souvent une longueur d'avance. Elle n'avait pas peur du qu'en dira-t-on. À vrai dire, elle n'en avait cure. Elle savait improviser. Elle était tout le contraire de l'inertie. Elle était toujours en action. Elle avait des idées porteuses. Comment ne pas évoquer dans cet adieu le soutien imprescriptible de Maman Fauning à Madame Chantal Biya et à son illustre époux, Son Excellence Monsieur le Président de la République. On aurait dit que c'était son ADN. Au moment de lui dire adieu, Maman Fauning ne nous laisse pas d'autre alternative que de saluer son courage charismatique, son amitié fidèle et sa généreuse solidarité. Le CERAC a perdu un pilier. Cependant, nous garderons longtemps encore le souvenir de l'immense bonheur que nous avons éprouvé à la côtoyer et à apprendre à ses côtés. À ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille, j'exprime à nouveau les sincères condoléances de la compassion émue du Cercle des Amis du Cameroun. Et à toi, Maman Françoise Fauning, toi, notre égérie, toi, notre rempart,
tout le Sirac te dit merci. Tu as vaillamment combattu sur terre. Va reposer en paix auprès du Père éternel. À présent, nous invitons les porte-paroles des enfants phonés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le représentant du président du Sénat, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le gouverneur de la région littorale, Monsieur le préfet de la Minoire, Monsieur le préfet du Vry, Mesdames et Messieurs les généraux et assimilés, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Association des communes et des villes unies du Cameroun, Monsieur le maire de la commune de Tchang et tous ses homologues de la région de l'Ouest, Monsieur le maire de la commune de la 5e et tous ses homologues de la région de littoral, Monsieur le sous-préfet de Tchang et tous ses homologues de la Ménois, vénérable autorité traditionnelle et religieuse de la région de l'Ouest et littoral, Mesdames et Messieurs ici présents en vos différents titres, grades, distinctions et qualités, très chers invités, l'honneur me choix à ma modeste qualité de fils aîné des enfants de maman Françoise Fonny, de vous souhaiter en nos noms tous la bienvenue dans cette esplanade la chiffrerie Balin à Tchang. Nous vous remercions ainsi de tout cœur pour avoir honoré notre maman en vous déplaçant jusqu'ici pour partager notre désarroi. Notamment en nous témoignant par votre présence massive un soutien solennel, ô combien inestimable, en cette douloureuse circonstance. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements tout particuliers à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui vous a chargé, Excellence M. le Premier ministre, de le représenter personnellement à ses obsèques qu'il a voulu officiel. Votre présence en ce lieu est la preuve de l'intermédiation porte à une humble servante loyale et fidèle qui était maman Françoise Fonny. En effet, notre mère considérait le président Paul Biya comme son père et la première dame du Cameroun comme une mère parce que l'un et l'autre étaient toujours à son écoute quand il fallait se déployer pour défendre la République. On peut ainsi comprendre pourquoi sa prière quotidienne ne s'arrêtait pas seulement au président Paul Biya, mais c'était à l'ensemble du couple présidentiel et à tous les enfants à qui elle souhaitait bonheur, santé et longévité. À la vérité, notre mère ne pouvait se permettre un acte d'ingratitude à l'endroit d'un président de la République qui aura volé à son secours à trois reprises.
deux fois pour ordonner urgentement son organe sanitaire en France, une troisième fois pour ordonner dans la même célérité celle de Sa Majesté et le chef Bafou Kanatoua. À partir de là, on peut vraiment comprendre pourquoi notre mère bénissait de manière obsessionnelle le président Probia au lever du jour comme à la tombée de la nuit, simplement parce qu'elle considérait comme son Dieu à elle. Peu importe ce que les uns et les autres ont récemment encore son lit d'hôpital. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de transmettre au président de la République notre profonde gratitude pour son humanisme sans pareil, mais également pour toutes ses attentions et ses nombreuses bienfaits à l'endroit de notre autorité mère. Par conséquent, nous vous assurons particulièrement sur ces enfants de poursuivre dans cette voie qu'elle a tracée, car nous ne saurions nous départir de la voie de la vérité, du réalisme et de la fidélité à l'endroit du présent de la République Cameroun, qui est abondamment reconnaissante aujourd'hui à cet endroit. Dans la logique de remerciement incontournable, je ne peux oublier le cercle d'amis de Sirac, présidé par Maman Chantal Bia, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, l'association de mondiale femmes d'entreprise, la commission nationale d'appui au comité de ses présidés par son excellence, M. le ministre, secrétaire général central du RDPC, M. Jean Cuité, le site d'organisation de ses présidés à Yaoundé par son excellence, M. Jean-Pierre Fogui, le site d'organisation de l'obsèque à l'Ouest, présidé par son excellence, M. Emmanuel Djoumessi, le site d'organisation de l'obsèque à Douala, présidé par l'honorable Thomas Toba Ioum, et le coordinateur des travaux d'aménagement d'accès de ces sites, dont obsèque le ministre de l'Habitat, le grand M. Jean-Claude Mouchou. Je ne suis pas oublié, le directeur cabinet civil de la République, qui, de par sa volonté à vraiment gérer l'espace obsèque. Pour leur implication, en vue d'accompagner dynamiquement notre maire dans la demeure. Oui, nous sommes très reconnaissants et fiers. Pour les œuvres laissées par notre mère, maman chérie, on t'aime. Dans la foulée de ces langues de gratitude, je remercie particulièrement Sa Majesté Kanatoua, chef du Grand Bafou, pour tous ses sacrifices personnels consenti dans l'organisation d'obsèques de manière personnelle, je peux le rassurer ici qu'il peut compter sur notre loyauté et sur le maintien de la même proximité de notre regrettée mère à son endroit. Je m'en voudrais de ne pas adresser également une chaleureuse reconnaissance à toute la délégation de tous les horizons en cette séance particulière. Je pense notamment au peuple Sawa et à tous ces dignes fils ici qui leur rendent. Mes chers frères et sœurs Sawa, nous vous disons merci pour votre sens élevé de l'accueil et de l'hospitalisation consentie à l'endroit de notre mère depuis le quartier Bantonné à Dedo jusqu'au canton Bassa à Dorbon. Vous avez adopté sans réserve notre autorité mère, c'est en vos mains qu'elle a pu se frayer un chemin et est devenue grâce à votre soutien désintéressé et spirituel un acteur incontournable de la ville de Douala. Je pense également à la population de l'arrondissement de Douala 5e, en particulier au Grand Bépanda. Elle qui a réélu sans réserve, maman, en adhérant massivement au slogan « Parachevons l'ouvrage ». Nous vous en remercions et nous vous témoignons notre profonde gratitude pour votre confiance jamais démentie à l'endroit de notre gâté mère. À la suite de ces remerciements, je m'en voudrais de ne pas interpeller mes frères et sœurs, en l'occurrence Marie-Nouvelle, Patrice, Sandrine, Rosine et Victor, qu'ils sachent que la présence de toutes ces prestigieuses personnalités à l'OSEC nous confronte à l'idée que le nom Phoning est un label que nous devons protéger. Nous avons commencé à le faire en offrant à notre mère un mausolée digne de ta statue et de toute l'affection que nous couvrait. Nous souhaitons qu'elle se sente très heureuse à l'intérieur des édifices réalisés par ses enfants avec l'assistance technique et expertise avérée de la société Conscos, groupe SIC à Douala.
Au-delà de ce mausolée, nous devons au minimum rester unis, humbles et très solidaires. Du moins, tel que nécessaire de le répéter, de prescrire notre défunt mère, nous devons davantage œuvrer à pérenniser ce nom que nous portons pour la postérité afin que ces œuvres puissent inspirer les générations camerounaises futures. Dans cette logique, nous envisageons de créer une fondation François Fauné Mafonkon, la mère du peuple, dans son fief politique à Bepanda. Avec des annexes extérieures aux États-Unis et en France, dans un premier temps. Dans la même foulée, nous projetons de créer un musée portant son nom ici même à Bafou, notamment parce que ses œuvres et les traces qu'elle aura laissées durant son passage sur terre y soient exposées en permanence. En effet, ce musée sera appelé à accueillir les pèlerins d'ici d'ailleurs, qui pourraient y trouver une source d'inspiration ou de recueillement à la mémoire de notre mère, d'où le vibrant appel qui est lancé à tous ses enfants adoptifs ou spirituels de se rejoindre à nous, ses descendants, pour pérenniser son nom à travers cette perspective. Pour le reste, je suis convaincu que nous ne sommes pas orphelins, comptant sur le retour d'investissement du pari qu'elle savait faire sur les ressources humaines. En effet, la recherche de maman, c'est vous, ses nombreux amis et fils, disséminés un peu partout dans le monde. C'est sur vous que nous comptons pour ne pas nous sentir seuls. Mais au-delà de cette consolation, je suis malgré tout sévré par la présence d'une mère pour qui j'étais le compagnon permanent, directeur de campagne et ami inséparable, témoin oculaire de sa générosité, de son humilité, de son sens élevé du rassemblement et de la réconciliation en droit de ligne. Je suis surtout sévré d'une mère pour qui ma naissance précoce l'aura empêché d'aller à l'école et qui doutait parfois de ma capacité à pouvoir l'enterrer. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle avait raison au regard de ces millions d'anonymes qui lui rendent un vibrant hommage. Nous témoignons une affection inégalée, que ce soit les Ben Skinner, les Bayam Salam ou les garçons de la rue. J'ai la lame aux yeux parce que je me rends compte de l'immensité de sa personnalité et de l'ampleur de sa popularité au Cameroun et au-delà de nos frontières. Je mesure l'importance du challenge que nous devons affronter pour assurer son héritage et sécuriser son patrimoine. En l'occurrence, avec l'appui de son Excellence M. Paul Biya et sa charmante épouse, qui ont mis tous les moyens nécessaires que ce sexe soit officiel. Je vous en remercie. Mille fois merci. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à demander pardon à tous ceux qu'elle a heurtés, de quelque manière ce soit, durant sa vie terrestre. Mais surtout, en vous souhaitant à tous que le Seigneur, notre Dieu, vous mette ma chérie, tes enfants te souhaitent un repos éternel. Merci pour votre compréhension. Merci. Alors, il faut retenir tout simplement de ce discours fleuve de M. Somni Salomon. Accompagné de Patrice, le third child. Qui est un très grand défi qu'il faudra relever parce que François Fauné Foundation a eu quand même a une œuvre énorme. Et il faudrait donc préserver cette œuvre à travers, bien évidemment, la mise en place de cette fondation qui sera bientôt créée et surtout ce musée. Ce musée qui vont permettre à ce que son image ou ses œuvres restent dans nos mémoires. Jean Cretté has been caught up for his own testimony. At least there have been long political partners. Voilà, maintenant c'est l'aspect purement politique de ces témoignages, parce que là c'est le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC en général, qui s'exprime en ce moment précis. C'était un discours politique. Nous sommes très attentifs, Eric et Jean, à ce discours qui
sera prononcé. From one of the supreme bodies of the organ of the party. Monsieur le Premier ministre, chef du chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur les gouverneurs de la région de l'Ouest et de la région du littoral, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, une fois de plus, monsieur le préfet de la Maine-Oise, mesdames et messieurs les membres du Parlement, mesdames et messieurs les maires, très respectueuses membres du CERA, monsieur le président de la section RDPC Maine-Oise Nord, madame la présidente de la section OFRDPC Maine-Oise Nord, monsieur le président de la section OJRDPC Maine-Oise Nord, mesdames et messieurs les représentants des autres partis politiques ici, autorités administratives, politiques et traditionnelles, avec une mention particulière réservée au père Sultan Bombon Joya, avec ma présence ici. Respectueux chefs supérieurs et famille Balin, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs chers camarades, bien qu'il y ait dans l'histoire des événements sans histoire, l'histoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'écrit depuis bientôt 30 ans, jour après jour, d'une plume fine, trempée dans l'encre pure des nobles et grandes ambitions portées par son illustre fondateur, son Excellence Paul Biya. Elle tisse également sa toile à travers l'engagement militant et désintéressé de jeunes, femmes et hommes de tous horizons, de toutes les régions et toutes les couches sociales, rassemblés derrière le président Paul Biya et les options du parti pour la consolidation constante de l'unité, du progrès, de la démocratie et du développement socio-économique de notre pays. Françoise Fonin, que nous accompagnons aujourd'hui, à sa dernière demeure, appartenait à cette race de militants d'exception pour qui l'honneur du parti n'avait pas de prix et donc le nom sera à jamais gravé au panthéon des grandes figures politiques de notre parti et de notre pays. Bref, on pouvait résoudre Françoise Fonin à vivre sans amour pour sa famille et non pas la résoudre à vivre sans honneur pour son parti, le RDPC. C'est donc avec une grande tristesse et une profonde émotion liée aussi à ma position particulière dans la famille que je prends la parole ici et maintenant au nom du président national, son Excellence Paul Biya, au nom de la présidente d'honneur de l'OFRDPC,
Madame Chantal Biya pour rendre l'hommage de la grande famille du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à cette militante de poids, à cette militante exemplaire qui vient d'être si brutalement arrachée à notre compagnie. À sa naissance et à 66 ans, sur les terres de Baleine, Françoise Fonin avait reçu de son père le nom de Tsomni Nguyenzon Françoise. À Baleine et chez les Baleines, Nguyenzon est un nom riche de symboles. Bref, Madame Fonin Françoise, devenue par sa dynamique verticale, horizontale, spatiale et temporaire, Mafo Nkola, à la chefferie Bafou, est ainsi née, porteuse de signes particuliers, d'une famille de taille particulière, issue à son tour d'une des plus grandes sous-chefferies du groupement Bafou, animée par le prince sous-chef Fogap, c'est-à-dire chef partageur. Titre obtenu comme récompense à son dynamisme, à sa générosité et à son sens de partage généralisé dans le village et ses alentours. La grande famille Johnny Baleine, qui a vu naître François Fonin, deviendra par le truchement de la collaboration avec les administrations coloniales allemandes et françaises, une des familles les plus riches de l'Ouest de son temps, animée par Johnny Baleine, devenu chef Baleine par la force de partage à tout vent, de fidélité à ses fortes amitiés éparpillées dans la région, parmi lesquelles le chef Kanga Joseph de Banjoun, Mafo Kondem de Balesen, Fondenkop de Foto, Mwafotaku de Bafou, pour ne citer que cela. Comme il se voit et se comprend, le RDPC n'aura eu que le bonheur d'avoir dans ses rangs sa singulière militante qui, résultante de trois forces fondamentales, aura été jusqu'à sa mort l'unique femme de notre pays, RDPC, de présidente de section OFRDPC, de président de section RDPC à Douala, de membre du comité central du RDPC, de député à l'Assemblée nationale, de vice-présidente du groupe parlementaire MR-RDPC, fonction fondamentale auquel s'ajoutent d'autres fonctions intérieures et extérieures. On peut donc dire que conformément à la tradition locale, Nguyenzon est le nom porte-bonheur qui réservait à François Fonin un destin prestigieux. Ce destin aussi singulier que symbolique, qui s'est notamment accompli dans sa vie, dans la vie politique nationale, spécialement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'histoire des rapports de François Fonin avec le RDPC est d'abord celle d'un engagement illimité et sans réserve derrière le président Paul Biya, qu'elle admirait autant qu'elle lui apportait tout son soutien en tout temps et en tout lieu, sans exclusive.
Dès la création du RDPC en 1985, à Bamenda, François Fonin, qu'on appelait à l'époque Dalida, se signale de manière tonitruante dans son soutien au président, pour lequel elle compose une chanson spéciale. Au début des années 90, alors que, face à l'agitation ambiante, considérant les canards sauvages comme les enfants du bon Dieu, certains avaient vendu trop tôt et pas cher la peau du RDPC, annonçant même la fin du régime, François Fonin fait partie des fidèles du parti et du président qui auront accepté de prendre Touala. Alors que les uns et les autres hésitent à se rendre au défilé du 20 mai avec la tenue du RDPC, François Fonin, entouré de quelques militants de son cru, se rend à la place des fêtes, arborant l'uniforme du parti avec fierté. Aux journalistes qui l'interrogent sur son comportement jugé suicidaire, Françoise Fonin répond sans équivoque: nous sommes le parti au pouvoir. Et comme vous le savez plus que moi, le parti au pouvoir ne recule pas. Voilà pourquoi j'ai défilé. Oui, Excellence la Françoise, le parti coulait dans ses veines comme le sang coule dans les nôtres, et pourquoi pas la monnaie dans le corps économique. Partout, elle portait les couleurs du RDPC, même lorsqu'elle n'en portait pas l'uniforme. RDPC était sa religion. Le président Paul Biya, son oxygène, et le Cameroun, son ADN. C'était une militante entière, fière, généreuse, passionnée et singulièrement, la nuit, dans les songes, dans ses rêves. Chez les baleines, il y a un dicton qui dit: si tu es vraiment mon ami, comme tu le clames, viens donc dresser la clôture de ma concession avec moi le jour du grand marché. Toute sa vie durant, chaque jour, y compris les jours de marché, François Fonin s'est investi à la construction de la grande clôture du RDPC pour en faire la grande concession du rassemblement, aux côtés du président Paul Biya, des Camerounaises et des Camerounais. Un des plus nobles devoirs étant celui de reconnaissance, Victor Hugo n'a pas eu tort de déclarer au XVIIIe siècle que ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leurs noms sont les plus beaux. Camarade Mafo Gonla Françoise, quel beau nom qui incarne aussi justement une des plus illustres réflexions d'un des plus nobles et très grandes sollicitudes du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. Excellence, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à saisir
cette occasion pour prier très respectueusement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir transmettre au président de la République, président national, la profonde gratitude ainsi que ceux des filles et des fils de la région de l'Ouest pour la haute décision qu'il aura bien voulu prendre de faire organiser des obsèques officielles en l'honneur de Françoise Fonet. Cette militante au pair de notre grand parti est de se faire représenter personnellement par un des plus illustres fils de l'Ouest que vous êtes, Monsieur le Premier ministre. En renouvelant à la famille de la défunte les condoléances du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Son Excellence Paul Biya, de la présidente d'honneur de l'OFRDPC, Madame Chantal Biya, auquel j'ai joint humblement les miens propres ainsi que celles de l'importante délégation qui m'accompagne, je tiens à redire au chef de l'État toute notre reconnaissance pour nous avoir aidés à accompagner avec dignité et grandeur Françoise Fonet à sa dernière demeure. Camarade Fonet, membre du comité central, honorable Fonet, Madame le maire, tu ne nous quittes pas, tu t'en vas. Rien de ce que tu as su et pu faire dignement pour le parti et pour le président national ne sera perdu. Puisses-tu veiller à demeurer pour les générations présentes et futures un modèle de militantisme fervent, de loyalisme sans faille, de patriotisme ardent et de fidélité sans réserve. Le flambeau du parti que tu as si bien porté restera plus ardent que jamais. C'est la promesse que la grande famille du RDPC, par ma modeste voix, te fait ici aujourd'hui. Ma Fonkola, va et repose en paix dans la terre de nos ancêtres. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous prions de suivre le message de condoléances du chef de l'État et de son illustre épouse, Madame Chantal Biya, qui sera lue par le préfet du département de la Maine-et-Loire. Se charger de ce message de condoléances du président de la République, Son Excellence Paul Biya. Le président de la République, à la famille de Madame Françoise Fonet, sous couvert, Monsieur le Préfet du département de la Maine-et-Loire, Chang. Mesdames et Messieurs, c'est avec une réelle émotion que mon épouse et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de votre parent,
Madame Françoise Fonning, membre du comité central du RDPC, maire de Douala 5e et ancien député à l'Assemblée nationale. Nous partageons votre immense chagrin. Madame Françoise Fonning, vous le savez, nous était proche. Nous l'admirions et apprécions pour la constance et la fidélité dans ses choix et son engagement. Femme de caractère, elle aura marqué de sa forte personnalité la scène politique camerounaise ainsi que le monde des affaires, tant dans son pays qu'à l'étranger. Sa disparition est assurément une grande perte pour la mairie de Douala 5e. La mort brutale et inattendue de Madame Françoise Fonning laisse un vide au sein du RDPC, ce parti qui était tout pour elle et qu'elle a su servir avec passion et défendre parfois au risque de sa vie. En cette douloureuse circonstance et en mesurant le poids de votre peine face à la disparition de celle-là à qui vous étiez si attaché et dans l'affection et l'encadrement, et dont l'affection et l'encadrement vous manqueront désormais, mon épouse et moi-même vous adressons, ainsi qu'à ses administrés et à ses proches, nos condoléances émues. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances de ma parfaite considération. Signé Paul Biya. Non, c'est Hubert. Allez, j'ai prévu. Funeral ceremony and per the program, burial will be held in strict family circles. Sont tout petit peu perturbés par ce changement climatique subit, mais qui est un très bon signe, certainement. Peut-être il fallait arroser un tout petit peu, rafraîchir un tout petit peu les esprits. Excellence, by the tradition, mesdames et messieurs, nous sommes au quatrième point de notre programme. Le premier ministre chef du gouvernement va procéder à la liste des décorations à la Prime Minister, Head of Government, Young Philemon will posthumously decorate Françoise Fonning. Meanwhile, we have some showers here. It is a symbol. A lady of a child of this chiefdom, who occupied the flame role, cannot be entered without such natural signs. Head of Government Philemon Young will decorate Françoise Fonning posthumously. And Louis Roger Noadje, after the decoration, we will continue with testimonies, interviews with people of different social class, those who have known Françoise Gazon Fonny. Je vais vous dire un petit peu de la situation.
Ouvrez la banque. Ça va. Que nous sommes toujours en direct de Balin pour ces obsèques officielles de Rab François Fonny qui va être décoré à titre posthume. Posthumous decoration. Par le Premier ministre, chef du gouvernement Philemon Yan, représentant personnel du président de la République Paul Biya. Your Regional Order, showers of blessings, should we say that? Et un changement climatique qui témoigne également, qui témoigne de Madame l'image Françoise de la femme qui est... Au nom du président de la République et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'Ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Fermez le banc. One of the highest decorations in the Republic of Cameroon, la patrie vraiment reconnaissante pour tout ce que cette dame a fait pendant des dizaines d'années. Et Eric Kedjan, je pense que l'on retient, c'est sans commentaire, c'est un titre qui est pratiquement réservé, hein. C'est pas donné à n'importe quel citoyen, à n'importe quelle personnalité. Donc c'est pas que c'est un emplacement avec toutes ses mesures. Parce que si mes souvenirs sont exacts, maintenant peut-être que des informations contraires, il n'y a que le président de la République. Grand cordon is an exceptional decoration and it is hung on your neck. It tells you how very important this lady was in the country, not just as a politician, but as a social worker, as a businesswoman. As a businesswoman. This is a moment which we will not forget. Heavy rains buffering the soils of the Baleng Palace, and it is not easy for us because we are struggling here in our makeshift studio to be able to share ourselves because of these rains buffering us. The mortal remains of Francoise Folling will be conveyed to the final resting place. I want to say that it was expected. On va revenir quand ça va.
Ensemble, repos. Ensemble. Partez, rejoignez. L'emplacement du cercueil. Repos. Le PM va monter dans sa voiture. Il va venir dans la voiture. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes parvenus au dernier point de ces obsèques officielles. Comme vous pouvez l'imaginer, nous allons procéder à l'inhumation. Nous invitons les différents acteurs à se déployer. Mais auparavant, nous précisons que l'inhumation va se dérouler dans la stricte intimité familiale. Seul le Premier ministre chef du gouvernement, les personnalités de la loge qui l'entoure, celles des personnalités qui ont été prévenues, les ministres du culte et la famille rapprochée de la défunte se rendront au caveau. Nous invitons les uns et les autres à respecter ces consignes. Cependant, nous vous prions de suivre les modalités pratiques liées à la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Thank you.
are going now for the burial rites. Vous le voyez bien, le comité d'organisation n'avait pas envisagé la part du rafraîchissement qu'apporterait dans pluie. Nous allons nous en contenter. Ce comité d'organisation a donc prévu ce rafraîchissement pour toutes les personnes présentes ici. Voici les indications. Au salon VIP de 1000 places, situé sur les hauteurs de ce site, à votre droite, Excellence, sont attendus Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les membres du gouvernement et assimilés, les autorités judiciaires, les membres du corps diplomatique, les sénateurs, les députés à l'Assemblée nationale, les membres du bureau politique et du comité central du RDPC, ainsi que les hauts représentants des autres partis politiques. Également dans ce salon VIP, les autorités administratives et religieuses, les membres du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, les directeurs généraux et assimilés, les chefs d'entreprise, les magistrats municipaux. Louis Roger Noadieu, we have Madame Christos here, one of the elites of the region, come to pay last respect. Your name, sir? Mr. Kemayo. Henri Kemayo. Mr. Kemayo. Yeah, what? I'm living in Yaoundé. You live in Yaoundé? Yes. And you are here in Yaoundé? I'm a former council member of Bafan. Now, come to visit. All right, that's good. What legacy do you have about Madame Christos? What legacy? What? Quel héritage, comme on peut dire, que vous avez de Madame Fassoise? C'est d'abord un héritage le chef du village dans la, sous l'encadrement bienveillant, la fidélité Sa le chef supérieur aux institutions et à son parti. Le dynamisme politique, la persuasion. C'est une femme qui parle à force de son courage, de sa foi. Servi par ses actes, un fogo porté sur le site, vraiment tous les et cela conformément à l'esprit de c'était une femme, on oubliait que c'était une femme. Après avoir fini président du RDPC en 2005, membre du comité central, c'était une camerounaise qui a transcendé tous les clivages également en allant s'imposer comme présidente femme mondiale, présidente de l'Association mondiale des femmes d'affaires. Vraiment, c'est vraiment un exemple à suivre. Vous avez suivi le témoignage envers Madame Françoise Fonning. Cela vous apporte quoi? Le témoignage que vous avez suivi. Oui, parce qu'on a un problème là. Voilà, le témoignage que vous avez suivi, que les gens ont fait à l'envers de Madame Françoise. Oui, oui, oui. Alors, comment vous interprétez ça? Mais écoutez, ce sont les mêmes choses qui sont revenues. Elle fait simplement l'unanimité. Les qualités de le secrétaire général du comité central, par ses enfants, qui a fait un très beau discours, qui ressortait parfaitement la personne telle qu'elle était, telle que nous l'avons. Marche! Testimonies coming in on behalf of Madame Françoise Fonning. The mortal remains have been conveyed to the final resting place in strict family, like we were seeing in very strict family privacy, and just a few heads
that were called to assist at the funeral of Françoise Fonin. The mortal remains, as you can get it from the pictures there, have been conveyed to the final resting place. And so, of course, instructions were given there on how different delegations would be catered for by the catering service deployed and the hospitality industry as a whole. Eh bien, Henri Kedjan, après donc cette pluie qui s'est légèrement abattue sur cette esplanade, l'on assiste donc au dernier voyage de l'honorable Françoise Fonin, qui est donc conduit au niveau du mausolée, et du mausolée ou alors du caveau familial, et qui sera donc inhumé dans la stricte intimité. Nous faisons encore signaler, rappeler le protocole. Et il faut également dire, Henri Kedjan, que malgré cette pluie, les personnalités, les invités sont restés vivre, n'est-ce pas, à ce dernier moment. Mais au-delà de ce symbole, il faut également dire que c'était un peu de Laura Françoise Fonin, de Mama Fo, parce qu'elle intervenait parfois à tout moment, qu'il fasse, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle défendait les intérêts du Rassemblement démocratique camerounais. Elle accompagnait le président de la République dans sa mission de développement et de gestion de la République. Alors cette pluie est venue dire également que contre vents et marées, il faut y aller, il faut que cela se fasse. Et on peut dire merci à la nature, les ancêtres du village de Balin qui ont quand même permis que cet événement puisse s'achever sous cette fine pluie. Et Henri Kedjan, on a tout entendu des messages dans les témoignages. On a The testimony is a very powerful one. In fact, trying to résumer qui était cette dame au grand cœur, Françoise Fonin. Il faut également rappeler qu'il y avait l'élite féminine de l'ouverture, qui était également une association de femmes dans laquelle militait l'honorable Françoise Fonin, qui est d'ailleurs conduite par sa présidente, Madame Femme Pouissier. On va également signaler que l'honorable Françoise Fonin a également permis ce congrès, ce bien-être, hein, et c'était toujours grâce au conseil précieux de l'honorable Françoise Fonin, qui a permis à ce que cet événement de portée internationale puisse se dérouler du côté de la capitale économique Douala. On a également vu des messages comme celui qu'on a pu lire sur la gerbe du docteur Aïssi Eyebe du Conseil supérieur de l'État, qui souhaiterait une résurrection, pourquoi pas, de l'honorable Françoise Fonin, dire à quel point les gens souhaiteraient qu'elle revienne pour continuer ce travail qu'elle a engagé depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui. 67 years on earth, an accomplished life, an accomplished mother, an accomplished housewife, an accomplished politician. You got the reaction from the son, Solomon Somni, who said because of her early child birth, Fonin Françoise stopped her education, voilà, but she was able to complete it, accompanying the remains. Voilà, yeah. Avec la famille et surtout pour cet adieu à l'honorable Françoise Fonin et surtout avec la famille. And on a parlé notables de l'intimité. Yes, on se demande bien family, si cela pourrait être possible privacy. Au regard de ces invités qui voudraient arriver jusqu'au caveau familial pour vivre, n'est-ce pas, ces derniers moments de Françoise, de maman Françoise Fonin sur terre. Un mausolée Henri Kedjan qui est donc construit d'un caveau et d'une petite chapelle, yes, et qui s'étend sur 200 mètres carrés, qui occupe l'un des sommets de cette esplanade de la chefferie. It is certainly going to be a historic one and a touristic site to attract people who want to come and know much about François Fonin's legacy here in Bafou.
we have definitely come to the end of the ceremony, and of course we must thank all those who were part of this production, who were part of the production crew. Gradually we were having some reactions from people around. We know that our battery of technicians are led by Jobu, Rene, and of course there is the high frequency transmission Wanasi. Wamini Jean-Baptiste is popularly called Black, and there is equally of course Frank Henry Nonga, there is Martin Luther Jumo, Thierry Kamto, Evan Dumbeng, Eric Matane, there is equally Jean-Michel Kamda, Jean-Michel Kemda, our correspondents here, Angerantua, Sej Tatimo, all of them contributed a lot, you know, to make sure. Toute la grosse équipe technique déployée par la direction générale de Glade International avec en tête Joseph Fourteau et sous la conduite également du président directeur général Emmanuel Chatuet, qui a permis à ce que ce direct soit un. Un succès comme nous sommes en train de le vivre ici à Balin, ce village situé à 4 km de la ville de Tchang et à une vingtaine de minutes de la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Et parmi les personnes qui ont tenu à venir rendre un dernier et vivant hommage à Laura Françoise Fauny. Of course, it's the deputy mayor of Douala 2, one of the deputy mayors of Douala 2, Yakubu. Thanks for joining us in this studio. You have Yakubu. Alors, vous avez assisté à cet événement. En quelques mots, qui était Laura Françoise Fauny pour vous? Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur en direct de Canal 2 à Bafou. Et j'ai effectué le déplacement de Douala pour venir famille. Et vous-même, vous l'avez constaté avec moi, la dimension nationale et même internationale de cet événement qui nous restera en mémoire. Et je pense que nous, surtout moi, qui est en début de ma carrière politique, nous suivrons l'exemple de Maman Fauny, qui a beaucoup œuvré pour la paix, pour le rassemblement dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous souhaiterons que ses enfants suivront les pas de la maman, et maman, nous t'oublierons jamais, tu nous resteras en mémoire, repose en paix. Je vous remercie. Merci. Well, really, je merci. Merci. Thank you. Thank on you, va clôturer en attendant bien évidemment de prendre votre clôture. Yeah, Mayor, Mayor Yakubu. Well, we read you very smartly. This is somebody who was with the communications department of the Douala 5 Council. Wait, hold on. Very fast. We will be having some light. Please hold the microphone. Yeah, very smartly. You work with the communication department of Douala 5 Council. Maybe what legacy that you, Madame Françoise Fauny, left for you people. Merci beaucoup, Madame le Maire. Nous a laissé un héritage très grand. L'expérience, la formation, ses œuvres immortelles. Aujourd'hui, le mausolée qu'on a érigé pour elle témoigne à suffisance de la grandeur de la femme, témoigne à suffisance de tout ce qu'elle a eu à poser au Cameroun comme œuvre, et donne à réfléchir à tous ceux qui auront à se lancer dans la politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un hommage très mérité qu'on lui a rendu. Et nous disons mille fois merci à M. le chef de l'État et au comité d'appui qui a contribué auprès de la famille pour lui rendre véritablement cet hommage. Thank you very much. We are wrapping up. Alors, attendez, évidemment, d'avoir le dernier invité. Alors, c'est donc terminé pour cette cérémonie officielle des obsèques de l'honorable Françoise Fauny. Nous avons été pendant deux jours ensemble. Merci. Vous avez été comme l'une des personnalités ressources auprès de Canada International pour permettre à ce que l'on puisse connaître ce que c'est que le village de Balin, que l'on puisse avoir l'histoire ou la généalogie de cette chefferie. Merci. Et que dire en résumé par rapport à Madame Françoise Fauny et par rapport au village Balin? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ont été déposés chez Françoise Fauny. Chez Françoise Fauny, dont les gènes du chef fondateur de ce village sont retrouvés chez Madame Fauny. Madame Fauny est partie, mais nous sommes également sûrs que les mêmes gènes vont se retrouver au niveau de ses enfants. Ce que nous pouvons maintenant souhaiter, c'est que ce petit village
devrait être un endroit où les gens devraient venir se ressourcer, parce qu'on dit chez nous que les morts ne sont pas morts. Madame Fonini n'est pas décédée, c'est que son esprit est ici. Pourquoi est-ce que les gens ne pourraient pas venir ici en pèlerinage pour se ressourcer au niveau de son mausolée là, que l'esprit Fonini, donc nous sommes en train de parler là, puisse rejaillir en eux et faire à ce que le pays en profite. Nous avons vu, nous avons suivi le discours du président, le témoignage du président, la visite, son message de condoléances, la profondeur de ce message de condoléances, nous avons suivi en ce qui concerne le chef de l'État. Donc c'est alors, merci. On va également prendre rapidement le président du Merci, ce parti politique très actif qui s'inspire évidemment de Madame Françoise Fonini. Alors, rapidement, président, merci. Merci. Alors voilà, c'est donc terminé ici à l'esplanade de la mairie, à l'esplanade évidemment du village de Balin pour cette retransmission en direct, Henri Kedjan. Yeah, well, we just come to the end of our live broadcast. For 2 days, we've been with you here at the Balin Palace, where the mortal remains of Françoise Fonini were laid to rest. From all, we say goodbye from Balin. And stay tuned to programs on Canal International.